À tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de la prière. Perek Shishi, le sixième chapitre, Alacha Aleph. Asur l'Adam l'avorach obet haKnesset, un homme n'a pas le droit de passer derrière la synagogue, b'shach haTzibur mitpalim, au moment que la communauté est en train de faire la prière. Quand on avait dit dans le chapitre précédent qu'on allait expliquer les opinions qu'il y a sur Achor obet haKnesset, l'arrière de la synagogue. Le sens simple, c'est que c'est passer devant la porte de la synagogue. Alors, dans le chapitre précédent, c'était qu'il ne faut pas prier donc avec le dos à la synagogue, il faut être face à la synagogue, pas achoré, pas avec avoir le dos. Ici, qu'est-ce qui va se passer derrière la synagogue? Il y a plusieurs explications. Imaginons donc que là, c'est l'entrée de la synagogue. Eh bien, la personne n'a pas le droit de passer achoré, bataknesset, derrière, donc, parce que les gens ils sont en train de prier dans ce sens-là, donc à l'est. Donc, il n'a pas le droit de passer, donc il passe ici, s'il passe derrière. Une autre explication, que achoré, bataknesset, ça veut dire de passer ici. Donc là, l'entrée de ce côté-là, lui, il n'a pas le droit de passer ici. Donc, en tout cas, il n'a pas le droit de passer derrière la synagogue pendant que la communauté est en train de faire la prière. Elaïm ken, ayanos et maso. Uniquement s'il avait une charge sur lui. Ou bien, une autre option, que la synagogue avait deux ouvertures. Donc, un d'un côté où il passe, mais aussi un autre côté. Charo Omer, celui qui le voit passer et il ne rentre pas. Il dit, Shemayel avait kan sem petachar. Peut-être qu'il va rentrer de l'autre porte. Encore une autre option, c'est dans la synagogue, il y avait deux, c'est dans la ville, il y avait deux synagogues. Yomar Aroé, celui qui le voit, il va dire, sûrement, il va aller dans la synagogue, il a l'habitude, c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans cette synagogue-là. Mais non, Vimaya l'otfilin berosho, s'il avait des tfilines posées sur sa tête, Moutar l'avoir, il a le droit de passer derrière la synagogue, même qu'il n'y a pas eu des conditions qu'on a dit avant. Pourquoi? Car les tfilin montrent sur lui, sont la preuve. C'est quelqu'un qui poursuit les commandements. Ils ne font pas partie des gens qui négligent la prière. Donc il n'y a pas cette négligence de passer derrière la synagogue et ne pas rentrer, que ce soit qu'il a une charge ou dans les autres cas ou s'il a des tfilin. Celui qui fait la prière avec la communauté, il ne va pas prolonger sa prière yater midai excessivement, parce que les gens vont l'attendre. A priori, à l'époque, on attendait donc que tout le monde finisse pour que l'officiant va recommencer la prière. Aval beino le bein atzmo, mais s'il fait la prière seul, harshut beyado, il a le droit de prolonger excessivement. Imba lomar achat filato, non, si après sa prière, une fois qu'il a fini, il veut dire afilu ke seder vidu yom kippour, même toutes les confessions qu'on fait le jour de Kippour, donc c'est très long. Omer, il peut le dire. Donc on ne dit pas, ça y est, il a déjà fait maintenant la Amida, il a fini, il ne faut rien en rajouter. Il peut dire combien qu'il veut après. S'il a voulu rajouter intercaler Bechol Bracha ou Bracha Minaim Tsayot dans toutes les bénédictions du intermédiaire de ceux qui sont au milieu, c'est pas les trois premières, pas les trois dernières, mais Eina Bracha, il a voulu intercaler quelque chose qui ressemble à cette bénédiction-là. Moi aussi, tu peux rajouter, quand on va expliquer dans Alacha Gimel, Kitzad, comment il rajoute donc dans des demandes dans sa prière. Hayal Chole, si dans son entourage, il avait un malade, mais va kachal Avracha mi birkat acholim. Il demande miséricorde, il demande compassion pour ce malade-là, lorsqu'il dit la bénédiction des malades, lorsqu'il dit ce qu'on appelle Refaenu, qui fait ça ou de chenon, en fonction de la facilité à s'exprimer, en fonction de ce qu'il est capable. Hayetzaïk le Parnassa, s'il avait besoin de subsistance, Mosif Trino Vakasha, il rajoute, il intercale une supplication, une demande de Birkat Hashanim dans la bénédiction, de Barech Aleinu dans laquelle on demande à Dieu de donner ce qu'il a besoin. De même dans ces 13 bénédictions donc intermédiaires, s'il a voulu demander tous ses besoins dans la bénédiction, Shomeat Fila, que Dieu écoute notre prière, Shol, il peut demander tout là-bas. Il ne faut pas qu'il demande ni dans les trois premières, ni dans les trois dernières. Trois premières, Magan Avraham, Chayamit, Imat Akelakadosh, et dans les trois dernières, dans Retse Modim et Sim Shalom. Halachat Dalet. Asur le Adam Sheitom Klum. C'est interdit à un homme de qu'il goûte quoi que ce soit. Ou Sheyasem Lachavim. Il fait faire un travail, mais Achar Shalom Dachacha. Depuis l'aube, Achid Palel Tila Tchachi, c'est ce qu'il va faire la prière du matin. Même le Yashkim, le Petachaveo, il ne faut pas qu'il se lève, se rende bon matin à la porte de son ami Lishon Bishlom pour le saluer. Kodem Shid Palel Tfilat Shacharit, avant qu'il a fait la prière de Shacharit. Le Yetzela Derech, Kodem Shid Palel. Depuis le moment de la prière, il ne doit pas partir en chemin avant d'avoir fait la prière.
Aval toemo osem lacha kodem musaf. Par contre, tu as le droit de goûter quelque chose et faire un travail avant la prière de musaf, ve kodem mincha, et avant la prière de mincha. Aval me, et il ne soed, il ne prend pas un repas, samuch le mincha, à l'approche de l'heure de mincha. De quoi s'agit-il? Mincha halachae, kevan shegiazman mincha gdola. Lorsque ça arrive, le mincha gdola, le grand mincha, comme on a déjà appris avant, que mincha gdola, c'est lorsqu'il reste encore beaucoup de temps pour faire mincha, donc c'est à partir de midi et demi, c'est-à-dire donc une demi-heure, c'est à partir de, donc après chatzot de midi et demi. Donc si la journée commence à 6h du matin, elle finit à 18h, à partir de la 6h et demie depuis le matin. Donc ça c'est mincha gdola, donc ça arrive ce moment-là, le ikanes mechatz, il ne faut pas qu'il rentre dans un établissement de bain, à filou la zia, même si uniquement pour transpirer, que ça ne prend pas tellement de temps. Il n'a pas le droit, chid palel, jusqu'à ce qu'il fasse la prière de mincha. Pourquoi? Shema italef, peut-être il va être étourdi, fatigué, s'affaiblir, ve ibatel minat fila, et il va manquer la prière. De même, quand ça arrive le moment de mincha gdola, ve lo lechol, il n'a pas mangé, à filou achila taraï, même une collation. Shemaï Masher Bachila, de peur qu'il va être entraîné à prolonger, à manger. De même, quand ça arrive le moment de Mincha Gdola, Velo Ladoun, il ne faut pas rentrer, donc le juge ne va pas rentrer en audience. Afilu Big Mardin, même si c'est juste pour rendre le jugement, et on a déjà tout entendu, maintenant il faut juste rendre le jugement aux gens, il ne doit pas le faire. Pourquoi? Shemaï Sateradin, parce que peut-être le juge, il va casser le jugement qu'il a vu avant, il dit, ah non, j'ai un autre raison, etc. Vi Masher. Et il va prolonger, il va manquer la prière de mincha. Vechen, encore une chose, à partir du moment que ça arrive, mincha gdola, le yeshev lifne à sa part, il ne faut pas qu'il s'assoie devant le coiffeur, afilu tisporet adiat, même pour qu'il va lui faire une coupe de cheveux ordinaire, achil palel, jusqu'à qu'il va faire mincha shemay shaver azub, de peur que le ciseau va se casser, et ça va passer le temps, le temps de mincha aussi va passer. De même, le ikanes et bosu, qui ne doit pas rentrer dans un atelier de tannage, Samour le mincha, proche donc du moment de la prière de mincha. Achid palel, jusqu'à qui va faire la prière de mincha. Pourquoi? Shemari irev set bimlarto, de peur qu'il va remarquer une détérioration dans son travail, dans ses peaux qui sont en train d'être travaillées. Veita sekba, il va s'en occuper. Veita kevinat fila, il va négliger la prière. Mais non, veimitril beachat melu, c'est arrivé le moment de mincha, dans la salle, midi et demi. Il n'avait pas le droit de commencer tout ça, mais il a quand même commencé. Lo yafsik, il n'a pas besoin de s'arrêter. Et la gomer va chach mitpal mincha, il finit, et après il fera la prière de mincha. Halacha vav. Mais mata yat chalat atisporet. À partir de quand on considère qu'il a commencé à se couper les cheveux? Mais si yaniach ma foret à sa parine, quand il va mettre le linge, une sorte de tablier, al birkav sur ses genoux, que le coiffeur y met donc autour du cou, autour sur les genou de la personne, pour pas que les cheveux vont tomber sur lui, sur ses vêtements. Donc à partir qu'il a mis ce linge-là, eh bien c'est à ce moment-là qu'on dit que ça commence, il a déjà commencé à se couper les cheveux. Ou même matayat chalat amechat, à partir de quand on considère qu'il a commencé donc son bain. Michi yushot begat asamuch lipsaro, à partir du moment qu'il enlève le linge de corps. Ou même matayat chalat abosuki, à partir de quand on considère que ça commençait l'activité de la tannerie. Michi yushot ben ktefav, quand il va accroché, attaché le tablier entre ses épaules, que Moshambanim Kosh, comme les ouvriers le font. Ils attachent. Ou même à partir de quand on considère qu'il commence à manger. Alors ça dépend. Il venait à Eret Israël, à ceux qui habitent en terre d'Israël, Michi Itoliada, quand ils vont se rincer les mains. Il venait Bavel, et à ceux qui sont à Bavel, Michi Yati Chagoro, du moment où ils vont défaire leur ceinture. Parce que ceux qui étaient en Eret Israël, ils ne serraient pas fort leur ceinture, donc ils n'avaient pas besoin de la défaire avant de manger. Ou même Matayat Khalatadin, à partir de quand c'est considéré donc le début du jugement, de l'audience du juge, Mishitat Fua Dayanim, à partir du moment où les Dayanim, les juges, ils vont s'envelopper d'un châle, Veyashvu, ils vont siéger, ils mettaient un châle à l'époque pour la crainte de la Shrina, la présence divine qui est avec les Dayanim, Veimayi Yoshvi. Maintenant, s'ils étaient déjà en audience, ils étaient déjà en train de faire du din, ils siégeaient déjà. Alors, à partir de quand on dit que maintenant c'est un commencement, mais chez Yatril ou Baledinim, c'est à partir du moment où les partis commencent à plaider leur cause. Halacha Zayin, Afapishet Fidata Er Reshut, bien que la prière du soir elle est facultative. Quand même, le Yavo Adamim Larto, un homme ne doit pas venir le soir de son travail, après dans la journée il a travaillé, il arrive le soir, Veyomarochamatidi, je vais manger un peu, Veyisham Kima, je vais dormir un peu, Veyachachachet Palal, après je vais faire la prière.
Il ne doit pas faire ça. Pourquoi? Shema Tenos. Peut-être il va être pris par le Otoshena, peut-être le sommeil va le prendre. Venim Sayashin Kolalaila. Il se trouve qu'il va dormir pendant toute la nuit. Et donc il va rater la prière de Arvit. Et là, comment il doit faire seulement? Mid Palel Arvit. Il doit faire la prière du soir. Ve'achakachokal Veshoto Yashin. Et après, il mange, il boit ou il dort. Le Rav rajoute qu'on a le droit de se couper les cheveux, de rentrer dans un établissement de bain, à l'approche de l'heure de la prière du matin. Bien qu'on peut dire aussi que ça va se prolonger. Parce que les sages n'ont pas décrété un interdit pour le matin. Et la Samouch le Mincha uniquement à l'approche de l'heure de Mincha. Pourquoi? Parce que ça, à l'approche de l'heure de Mincha, c'est quelque chose qui est courant. Parce que la majorité des gens rentrent dans l'établissement de bain et se coupent les cheveux dans la journée. Mais le matin, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Mais le gazubo, c'est la raison pour laquelle les sages n'ont pas décrété un interdit. Celui qui était occupé à étudier la Torah, il s'arrive au moment de la prière. Posek, il arrête d'étudier, et il fait la prière, chaque chose en son temps. Si la Torah c'était sa seule et unique occupation, ce qu'il faisait toute la journée sans exception, il ne fait aucun travail. Et quand ça arrive le moment de la prière, il est en train d'étudier la Torah. Posek, il ne s'arrête pas, parce que chez Mitzvah Talmud Torah, parce que la Mitzvah de l'étude de la Torah, Gdola mi Mitzvah Tfila, est plus grande que le commandement de la prière. Encore une chose, tout celui qui s'occupe des besoins communautaires, est considéré comme quelqu'un qui s'occupe de l'étude des paroles de Torah. Celui qui fait la prière, donc s'il est en train de faire sa amida, il n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de sa prière, uniquement s'il y a un danger de mort. Même si le roi juif lui demande son salut, le salut, lo yeshiveno, il ne doit pas le répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger de mort. Ah ben, pour ça que le Melagoy, par contre, si c'est un roi qui est non juif, il doit oui s'arrêter. Chez Mayar Genoud, s'il n'y a pas le saluer de retour, il risque de le tuer, le roi non juif. Ayom et Bitfila. Si quelqu'un est en train de faire la prière, l'Amida, verra Melech, il aperçoit un roi, Melagoy, un roi non juif, ou Anas, ou un oppresseur, qui risque de le tuer s'il ne fait pas sa volonté. Il voit que Bakeneg vient, il voit que. Il se dirige vers lui. Yekatser. Le temps qu'il arrive, il va écourter. Ça veut dire juste le début, la fin des 18, des 19 bénédictions. Veimeno Yachol, si il ne peut pas écourter. Et dans ces cas-là, Yafsik, qu'il arrête, qu'il interrompt sa prière. De même, s'il a vu des serpents et des scorpions qui se dirigeaient vers lui. Imigi ou Elav, si ils sont très proches de lui. Vehayadakan, Beoto Makom. Et l'habitude, c'est les serpents dans cet endroit, et c'est les scorpions dans cet endroit, que lorsqu'ils meurent, ils vont mordre, la personne elle meurt après. Il arrête, il interrompt sa prière et il se sauve. Par contre, il y a Dakanehami, si ils n'avaient pas l'habitude donc de. C'est pas l'habitude donc qu'ils vont tuer Enoch Posek, il ne s'arrête pas, il reste à sa place, il continue sa prière. Halachayud, Nashim Vavadim Uktanim, les femmes, les serviteurs, les enfants, Chayavim Bitfila, ils ont l'obligation de faire la prière. Le Rav nous dit que tout homme qui est exempté de la lecture du Shema, ce qu'on avait appris dans le Shema par exemple à Khatan, quelqu'un qui est préoccupé, etc., il est exempté aussi de la prière, à plus forte raison. Si déjà le Shema qui est une mitzvah de la Torah, alors c'est sûr que quelque chose qui est donc les sages ont instauré, il n'a pas besoin de le faire. Quand les sages ont instauré, c'est le moment de la prière qui est instauré par les sages, pas la prière elle-même. Tous ceux qui raccompagnent le mort. Bien que le cercueil n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin d'eux pour porter le cercueil, quand même, ils sont exemptés de l'obligation de faire la prière. Conclure avec un approfondissement, nous avons appris dans l'Halakha Dalet qu'un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit ou faire un travail à partir de l'aube jusqu'à ce qu'il va faire la prière de Shacharit. Comme vous le savez sûrement, les rabbis de Chabad ont dit concrètement que quand il y a besoin, il faut boire et même manger avant la prière, comme le Tzemach Tzedek qu'il a dit. À Sabru, il lui a dit, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Ce n'est pas juste un mot que le Tzemach Tzedek a dit, bien sûr, c'est basé sur la halakha. Dans quelques situations, le rabbi a dit, certaines lettres du rabbi, on trouve ça que c'est pour des raisons de santé. Donc, pour être en forme, pas seulement s'acquitter en buvant quelque chose.
Deuxièmement, pas seulement pour la santé, mais aussi pour pouvoir se concentrer dans la prière. Le rabbi dit, dans nos générations, nos générations sont faibles, on permet de manger même des mezonot, nourriture donc avant la tefila, pour ceux qui finissent leur prière, pas juste après. Le rabbi dit, Mesherzman achakum shinatan, donc un moment après qu'ils se sont réveillés, et c'est particulier. Donc, c'est jusqu'à là, c'est le mot du rabbi, c'est particulièrement en tous les cas pour le Shabbat, pour les jours de fête, que la tefila, donc il fait un peu plus tard, et la tefila ne va pas être bien comme on peut se concentrer. Basé sur quoi dans l'alakha ça se trouve? L'admor HaTzaken dit dans le Chaim, peut-être c'est y fait, que si quelqu'un ne peut pas se concentrer dans sa prière jusqu'à ce qu'il va manger et boire, il a le droit de manger et de boire. Et quand d'ailleurs dans le chapitre précédent on a dit que celui dans le Rambam, que celui qui ne peut pas et qui a faim, qui est affamé ou bien qui a soif, il fait partie des malades, donc il va manger et boire et après seulement il va faire sa prière. Un sujet de chassidoute, on a vu dans l'alakha Tet, le Rambam nous dit que s'il y a des serpents et des scorpions qui viennent vers lui, le Rambam donc dit exactement qu'est-ce qui se passe, s'ils sont en train de se diriger vers lui, etc. Alors dans la Gemara, dans Brachot Tafim Gimel Amudalev, ce qui est ramené, c'est même si un serpent qui est sur son talon, il ne s'arrête pas. Et Rav Shach et Abaye dit, c'est uniquement un serpent, mais si c'est un scorpion, il s'arrête. Alors dans les commentaires, c'est discuté pourquoi le Rambam ne fait pas cette différence entre le serpent et le scorpion. Il y a une réponse aussi que le Rambam ne parle pas exactement du même cas, d'autres réponses. Mais sur le plan chassidique, le Rabbi explique. La différence entre un serpent et un scorpion, c'est expliqué qu'un serpent, son venin est chaud. Par contre, le scorpion, son venin, il est froid. Sur le plan spirituel, on est en train de nous dire ici, lorsque quelqu'un il a un serpent sur son talon, donc il est en train de faire sa prière, il veut prier, et il a un serpent, il a un venin qui est chaud. Un venin qui n'est pas bien, mais au moins c'est chaud. Si c'est de la chaleur, eh bien qu'il continue à faire sa prière. Si quelqu'un il a des chaleurs pour des choses qui sont extérieures à Torah Mitzvot, eh bien au moins il a de la chaleur. Le fait qu'il a de la chaleur, il va travailler, et il va changer cette chaleur va devenir une chaleur positive, la chaleur pour Torah Mitzvot. Par contre, si quelqu'un est en train de faire sa prière dans le sens qu'il est en train de se rattacher à Dieu, Tfila, Tofel Klicher, c'est un rattachement avec Akadosh Baruch Hu. Et pendant ce rattachement avec Dieu, il a un scorpion qui le mord. Le scorpion, son venin, il est froid. Ça représente que cette personne-là, c'est pas qu'elle a une chaleur pour des choses négatives. Il est complètement froid, il a plus de vie. À une telle personne qui est froid, qui a plus de vie, lui, Yazik, il arrête sa prière, qui trouve des moyens pour se réchauffer. Après, une fois qu'il va se réchauffer, à ce moment-là, il va pouvoir continuer sa prière, s'attacher encore plus avec Akadosh Baruch Hu, et tout faire en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach now. Excellente journée.